Good morning, Alidan Lissoura. Aujourd'hui, le Lunchmat Avramon Drai, Ben Yitzhak, Befani, Dvora, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvora, Bat Esther, ainsi que le Fouat Avram Noir, Ben Yehudit, et Rachel Perle, Bat Rivka, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi déjeuner une prochaine tuerie, Michel, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Serat Kudvot Perek Zain, Mishna Zain, Amekadesh, Taïcha, Almena, Che, En Alea Nedarim, Benim Tseu Alea Nedarim, Eina Mekudeshet, Knasa Stam, Benim Tseu Alea Nedarim, Tetse, Shelo, Biktuba. On commence à traduire directement dans la Mishnah. Celui qui va marier une femme, mais dans le sens qu'il va la fiancer, on va expliquer tout de suite. Mais il pose comme condition, je te fiance dans la condition que tu n'as pas de nedarim. Et après coup, en fait, on réalise qu'elle avait plein de nedarim, elle faisait que de faire des nedarim. Eh bien, en amekudeshet, c'est Kiddushin. Le mariage qu'on a fait s'annule. Mais ça, c'est que à condition qu'on avait fait que les Kiddushin. Par contre, imknasastam, s'il l'a marié, il a fait la choupa. Venim tseoua la nedarim, et qu'après, il réalise qu'elle avait des nedarim. Alors, tese chez le Biktuva, il devra la divorcer quand même, lui donner un guet, mais sans Ktuva. Et on commence à expliquer un petit peu mieux. Les fiançailles, on a déjà expliqué plusieurs fois, peut-être des dizaines de fois déjà, mais je le répète tout le temps, que Kiddushin. On avait deux pour marier une femme, on faisait Kiddushin et Nisuin. Kiddushin, c'est quand on donne la bague et on acquiert la femme. Dès lors, la femme, ça s'appelle une femme mariée, dans le sens où si jamais elle a un écart avec quelqu'un, elle est passible de mort. Parce que c'est une femme mariée. Mais malgré tout, il a fait que la partie, le contrat acquisition du mariage, mais il ne sait pas encore sa femme pour vivre avec elle. Elle restait en général chez son père. Il venait la voir comme une fiancée. C'est juste que, comme ce qu'on fait aujourd'hui à notre époque les fiançailles, sauf que nos fiançailles, ils engagent en presque rien. Et ouais, si toutefois il y a quelqu'un, la femme, la fiancée, elle va avoir un écart avec quelqu'un, elle n'aura rien de grave. D'accord? Alors elle ne sera pas passible de mort, ce n'est pas une femme mariée. Alors qu'à l'époque, ça l'était. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté de faire ces kiddushin, parce que laisser une femme dans une période longue, qu'elle est chez son père, et aller savoir comment ça va se passer après et tout ça, que, pourquoi faire? On a supprimé ce minag-là, qui était trop dangereux en fait. Il y avait des périodes où ça devenait un peu plus frivole. Et ça allait voir ailleurs, et puis vous imaginez bien, c'est des femmes mariées, voilà quoi. Donc du coup, on a arrêté ces kiddushin, on fait les kiddushin le soir du mariage, on fait les deux étapes, on amène deux verres de kiddush, on fait une première fois les kiddushin, le mari donne la bague, et puis après, on commence les sheva brachot, et ils vont s'isoler, et ça devient la choupa. D'accord? Je reviens sur notre Mishnah. Là, on va parler maintenant d'une quelqu'un qui marie une femme, mais qui veut pas. On a deux cas de figure dans la Mishnah. On a les nedarim, et les moumines, c'est la deuxième partie de la Mishnah, mais c'est le même principe dans les deux. Un homme qui marie une femme, à condition qu'elle n'ait pas de nedarim. Il ne veut pas voir, comme on avait expliqué, ce qu'une femme qui fait des nedarim, c'est très grave, c'est très embêtant. Ça peut, chas de shalom. Bah, avant nedarim, banimetim, chas de shalom, ils peuvent avoir les enfants qui vont mourir à cause de ça, même si jamais elle fait trop de nedarim et qu'elle ne les respecte pas. Il n'a pas envie, il a envie d'avoir une femme tranquille, peinarde, gentille, pas qui fait des, qui s'interdit des trucs. Ouais, il veut de la tranquillité à la maison. Donc du coup, il pose comme condition clairement, moi je me marie avec toi, mais à condition que tu n'as pas de nedarim. Et après, il se marie avec elle, et il découvre qu'elle a des nedarim. Ça c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, c'est le même principe, à condition qu'elle n'a pas de défaut physique, des moumines, un moum, un défaut. Et de nouveau, même principe, une fois qu'il se marie, il réalise qu'en réalité, elle a des défauts, et après on va se mettre à parler jusqu'à la fin du chapitre, sur les défauts des femmes. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse d'abord, c'est de définir d'abord, quelqu'un qui pose une condition. Si je vous achète, j'achète ce stylo à condition qu'il pleut demain. Et demain il pleut pas, la vente s'annule. D'accord? Toute action qu'on fait avec une condition, si la condition s'annule, n'est pas respectée, eh bien l'acquisition s'annule. Selon ce principe, celui qui marie une femme, à condition qu'elle n'ait pas des cheveux verts, et qu'en fait elle a des cheveux verts, eh bien la vente s'annule. D'accord? C'est normal, on a posé une condition, c'est clair. Là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, on a un mari qui pose une condition générale. La condition que tu n'aies pas des nedarim, parce qu'il n'a pas envie d'avoir une femme qui fait des nedarim. Et qu'en fait, il se marie avec elle et qu'il découvre qu'elle a des nedarim. Qu'est-ce qu'il devra faire? Alors, la Mishnah est séparée en deux étapes par rapport au nedarim. Première étape, c'est si j'ai juste fait des kiddushin avec une condition et qu'il découvre qu'en fait, que la femme a des conditions. Et bien, comme toute acquisition que tu fais avec condition, si la condition n'est pas tenue, n'est pas remplie, la vente s'annule, et la femme n'est pas mariée, elle reste chez son père. D'accord? Il n'y a pas besoin de donner un guet. Ça, c'est la première partie de la Mishnah qui me dit,
Amekadesh Ataisha, celui qui veut faire les kidushin d'une femme. Almena Chen Alea Nedarim, à condition qu'elle n'ait pas des vœux, qu'elle n'ait pas de fait des Nedarim. Venim Tsewa Alea Nedarim, une fois qu'il se marie, qu'elle réalise qu'elle avait des Nedarim, qu'il a fiancé, j'insiste, eh bien, Ena Mekudeshet, elle n'est pas fiancée. D'accord? Parce qu'elle a fait une acquisition avec condition, la condition n'est pas tenue, tout s'annule. Par contre, Knas Astam, c'est une fois qu'elle a fait des kidushin, les fiançailles, il a posé la condition. Après, 6 mois après, 8 mois après, 1 an après, ils disent, allez, ça y est, on va commencer à se marier, on va faire les Sheva Brachot, la Choupa. Quand il fait la Choupa, il pose aucune condition. Il sort avec elle, il commence à vivre avec elle. Troisième jour de Sheva Brachot, il réalise qu'en fait, il tombe sur son petit calepin, où elle écrit les 97 Nedarim qu'elle fait à tout va. Donc, là, il ne veut pas, il a posé, il pourra divorcer sa femme, mais il devra divorcer sa femme en lui donnant un guet. On va pas dire que ça s'annule. On va expliquer pourquoi tout de suite. Donc, d'abord, je traduis. Donc, Nasastam, il a marié, sans préciser. Venim Tsua, Nedarim. Et quand, après coup, il a marié, c'est là, il a marié, il a fait la choupa. Nasastam, c'est qu'il a fait rentrer chez lui. Ça, ils ont fait la choupa. Venim Tsua, Nedarim. Et après coup, donc, il réalise qu'elle avait des Nedarim. Eh bien, Tetsé, Shelo, Biktuba. Il devra la faire sortir. Ça veut dire lui donner un guet. On n'a pas dit Enam Nesua ou Enam Ekudeshet. Non, Tetsé, il devra la libérer avec un guet. Mais chez l'Obi Ktuba, mais sans lui écrire une Ktuba. Sans lui donner la dot de la. Je vais dire la rançon. Sans lui donner la Ktuba, d'accord? Sans lui donner ce qui est l'engagement. Pourquoi? Alors on explique qu'est-ce qui se passe. Alors on a dit, toute acquisition que je fais, avec condition, si ça n'est pas tenu, ça s'annule. Alors là, on a fait la condition qu'elle n'est pas née d'arim. J'ai fait la condition que. Peu importe ce que je lui dis. D'accord? Et elle ne respecte pas la condition. En théorie, ça devrait s'annuler. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé. C'est que j'ai fait ensuite la choupa sans reposer la condition. Alors sur ça, il y a la Gemara qui explique. Il m'a bloqué, ils m'ont expliqué. Mais en tout cas, ce qu'Abartano a rapporté ici, la vie de Rav, il nous dit qu'en fait, qu'à partir du moment où il a fait la choupa sans reposer la condition, alors on soupçonne, on suppose plutôt, qu'il a peut-être annulé la condition. Un homme a la possibilité de marier une femme, de faire n'importe quelle action avec une condition, et puis après de décider d'annuler la condition. Et en fait, c'est justement là, on va supposer que peut-être qu'il a marié la femme en annulant ensuite la condition, il a décidé en fait de la remarier. C'est vrai que la première fois, je t'avais posé une condition. Mais la deuxième fois, finalement, quand je suis marié avec toi, je me dis, bon, c'est pas à cause de. Au début, j'espérais qu'elle avait fait un night de ne pas faire des. Elle n'avait pas fait un éder de manger du chocolat. Disons. Et puis, finalement, quand je me marie avec elle, je me dis, bon, je vais pas me mettre à vivre avec une femme pendant 3 semaines, 1 mois, et après réaliser qu'en fait, elle a mangé du chocolat, et qu'à cause de ça, c'est pas ma femme, et j'ai vécu avec une femme sans engagement mariée, de marital, quoi. C'est pas propre, c'est pas pur. En Adam Ose Beilato Beiladznout. Un homme ne veut pas entretenir des rapports avec une femme. De manière dévergondée, comme une Béla de Znout, un rapport de Znout, de prostituée, si je peux dire, que sans cadre. Donc en fait, on va supposer qu'à cause de ce souci d'avoir un rapport avec une étrangère sans que ce soit sa femme, peut-être qu'il a réellement annulé les Nedarim, comme ça reste sa femme. De ce fait, peut-être qu'il a annulé, peut-être qu'il n'a pas annulé. Dans le doute, donne quand même un guet, parce qu'il n'est pas question de permettre à cette femme à se remarier. À la libérer sans lui donner un guet, mais tu lui donnes pas la ktouba. D'accord? C'était clair? Maintenant, précision importante. C'est qu'en fait, dans notre Mishnah, là, on parle qu'il a fait. Il a juste posé comme condition, à condition que tu n'aies pas des Nedarim. Mais il n'a pas précisé quel Nedarim. Et sur ça, la Gemara, elle va nous dire, c'est que si elle a fait des Nedarim qui sont très bloquants. L'histoire du chocolat, je vous dis, c'est des bêtises. On parle d'une femme qui a dit qu'elle ne va pas manger de viande, ou qu'elle ne va jamais boire de vin, ou qu'elle ne va pas mettre des beaux habits. C'est des choses qui vont porter préjudice au mari. C'est ce qu'on appelle des nidrei inouï nefesh, où la femme elle souffre elle-même. Il va se retrouver avec une femme qui est toute la journée en train d'être tristounette parce qu'elle ne sait pas manger comme il faut, elle ne sait pas se lâcher. Alors là, non, mais si jamais elle a fait un néder de ne pas manger des mars, bon, c'est pas grave, elle mangera des kitlat, d'accord? C'est pas la fin du monde, c'est pas sur des petits nidarim que ça s'annule, d'accord? À condition qu'il n'a pas posé une condition explicite. C'est-à-dire à condition que tu n'aies pas fait de néder, que tu manges des kitlat, et qu'après elle a réellement fait le néder, dans ce cas-là, t'as posé ta explicité. Mais là, dans notre Mishnah, on parle d'un cas où elle a fait une condition générale, à condition que tu n'aies pas des nédarim. J'ai pas envie d'avoir une femme, en fait, qui est tristounette, qui est renfermée sur elle-même, qui veut pas se lâcher et profiter du monde.
Alors là, sur ça, on va s'intéresser à savoir quel type de nédarim elle a fait. Comme il nous dit de Bartanura, qu'elle va pas manger, qu'elle va faire néder, qu'elle va pas manger de viande, qu'elle va pas boire de vin, qu'elle va pas s'habiller avec des habits de couleur. D'accord? C'est clair? On continue. Même principe maintenant avec Almena chez Enba Moumin. Il la fiance d'abord la femme, à condition qu'elle n'ait pas de défaut. Après, on va expliquer c'est quoi les défauts. Venim Seouba Moumin, et en fait, une fois qu'elle a marié, il réalise qu'elle a des défauts. Et là, elle ne sera pas mariée. Ça, elle ne sera pas fiancée. Kidushin, c'est que c'était la partie fiançaille. Mais par contre, Knasa Stam, si c'est marié, Stam, sans repréciser au moment du fiançaille, du mariage, de la Khoupa, qu'il insiste que, la condition que je t'ai posée au moment du fiançaille, elle est encore en vigueur ici. Venim Seouba Moumin, en fait, il s'avère qu'elle a des défauts. Eh bien, Tese Shalokto, il devra quand même la libérer en lui donnant un guet, mais sans lui donner l'actuba, il ne devra pas payer la dette, la dot qui s'est engagée, parce que, au nouveau, même principe. Peut-être qu'en réalité, c'est vrai, a priori, il aurait voulu se marier avec une femme qu'elle lui assure qu'elle n'a pas de cicatrices sur les mollets. Bon, il a posé la condition. Elle avait des collants, il ne pouvait pas voir. Et donc, du coup, il a posé la condition. Après, finalement, il se marie, il réalise qu'en réalité, le lendemain du mariage, elle se lève, elle n'a plus de collants dans la maison, et il réalise qu'elle a une grosse cicatrice. Alors là, on va dire de nouveau, quoi, à cause d'une cicatrice, tu vas entretenir un rapport avec une femme, pas dans le cadre de mariage, c'est pas digne. C'est sûr que en Adam Osebe irato belatznout. Probablement, tu as annulé la condition, et tu lui es d'accord, puisque tu n'as pas précisé. Si tu as précisé explicitement, alors tu as précisé, mais sinon, non. Alors, mais sinon, on va pas dire que c'était à ce point-là. Si tu as reprécisé au moment de la choupa, alors tu as reprécisé, mais si tu n'as pas reprécisé, on va supposer que peut-être que tu as annulé, d'accord? Ça, c'est d'abord pour les. De manière générale, c'est quoi des moumines, des défauts? Maintenant, Kola Moumine, la Mishnah conclut en disant sur quel défaut tu te trompes. Kola Moumine a poslin ba Kohanim, tous les défauts qui invalident les Kohanim pour faire la voda ou le Tamigdash, poslin ba Nashim, ils invalident aussi la femme. Soit, et tout ça, je ne les ai pas en tête, mais c'est genre, par exemple, bien sûr, il y a un membre en plus, un membre en moins. En fait, elle avait un doigt de pied supplémentaire, un doigt de pied manquant, toutes sortes de choses comme ça. Il y a comme ça, il y a tous les Moumines qui sont les Kohanim. Et le Bartonora, il nous dit encore, il y en a même encore d'autres qui sont encore plus dérangeants pour une femme, qui en ont encore plus en réalité. Pour vous donner une idée, c'est une femme qui a des odeurs nauséabondes naturelles, de transpiration très forte, de réachapé, d'odeur d'haleine très forte, ou, ok, toutes sortes d'odeurs qu'elle peut dégager, ou bien une verrue avec des poils, d'accord, comment ça s'appelle déjà, un poireau, Ben Ktana, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, ça dépend en fait. Après, on s'intéresse à savoir dans quel endroit il est, s'il est dans un endroit plus ou moins dévoilé. Il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut savoir, ce sera précisé dans les Mishnayot plus loin, parce que du coup, on va se mettre à parler des Moumines pour les prochaines Mishnayot, des défauts. Mais une précision importante, c'est qu'on parle que d'un défaut qui n'était pas forcément visible depuis le début. On apprendra dans la Mishnah Tet, plutôt, dans Khet, on apprendra plus de conditions exactement. Pour préciser sur quel type de défaut on parle, si c'est quelque chose qui était visible en plein milieu du nez, alors tu ne peux pas te marier après, tu dis « Ah, mais j'avais pas vu qu'elle avait un gros poireau sur le nez. » Mais quoi, tout le monde qui la voit, elle le voit. Elle l'a pas caché, elle ne peut pas le camoufler. Donc si tu l'as vu, alors on va dire que tu l'as accepté. C'est-à-dire, tu as dit, à condition que tu n'aies pas de défaut, mais ce que tu vois qu'il est là. Donc c'est sûr que tu n'as pas eu d'intention de la marier à condition qu'elle n'ait pas ce défaut, puisque tu vois qu'elle a le défaut. Donc c'est sûr qu'en fait, on va parler que de Moumines, de défauts qui étaient dans un endroit un petit peu caché. Sur les pieds, sur des membres qu'on peut cacher, sur son bras, qu'elle avait des manches constamment. Alors là, il y aura sa condition qu'il aura posée, elle sera effective. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov V'Salam.